Bonjour, Marie Deplan. Monsieur Dame, bonjour. J'essaie de vous passer le service de recrutement. À l'instant, s'il vous plaît. Merci. La ville de Blois vient d'obtenir la certification Caliville. Ce label, décerné par l'AFNOR, l'Association française de normalisation, récompense ses efforts en matière d'accueil du public. Les services municipaux de la vie civile, l'hôtel de ville et les mairies annexes ainsi que le guichet unique ont été les premiers services à s'inscrire dans cette démarche. La démarche qualité à Blois a commencé voilà 2 ans. Donc ça se traduit aujourd'hui par la volonté de prendre en compte toutes les demandes, d'y répondre au mieux, le plus rapidement possible. C'est-à-dire un accueil physique, où là, ça porte plus sur l'identification des locaux, leur aménagement et leur configuration. Le deuxième volet, c'est les accueils téléphoniques, pour qu'on ait une réponse uniforme, qu'on reconnaisse bien que ça soit la ville de Blois. Ensuite, en troisième temps, nous avons l'accueil des courriers, et des courriels, et là aussi ça demande des procédures et des moyens de gestion pour répondre aux usagers et bien prendre en compte toujours leurs attentes et leurs demandes. Des aménagements importants ont été menés dans le cadre de cette démarche qualité. La mairie annexe Vienne a par exemple été transférée dans les locaux de la LCV et une salle d'attente a été créée à la mairie annexe Nord. Blois est ainsi devenue la première ville certifiée en région Centre. Mais cette démarche ne s'arrête pas à la certification. En juin et septembre, des formations seront dispensées aux agents concernés par l'accueil. Des audits seront menés chaque année et la ville de Blois va continuer à étendre cette démarche à d'autres services en lien avec le public.